Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 29 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 39e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. C'est à chaque fois un véritable plaisir pour moi de vous faire passer toutes les connaissances qui m'ont été transmises par mes contacts extraterrestres depuis le début de l'année 2016. Les présentations sur les lignées extraterrestres sont le fruit du travail que Zen et moi avons fait ensemble pendant des mois et de nombreuses heures chaque jour depuis le début de l'année 2017, un an après mes premiers contacts directs début 2016. Toutes les informations que je vous présente sont donc exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation en audio et par écrit que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023 trait d'union 115 et trouver d'autres informations dans mon livre Premier Contact. Pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était un travail de titan, il faut le dire, mais je suis contente de l'avoir fait, puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non grâce à ma mémoire, mais de manière concrète, des conversations que Zen et moi avons décidé de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Étortants. Ils occupent le siège numéro 12 au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, des Arcturiens, Diezli Antiplex, siège 2, les Pléiadiens de Tejet, Hera et Temer, siège 3, Procyon et Dakoté, siège 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, siège 7, les Agartiens de l'Intraterre, siège 8, les Urma de la Rasphéline, siège 9, les Antariens d'Antares, siège 10, les Lyriens, siège 11, donc les Étortants, siège 12. Les Étortants sont originaires de M42, la constellation d'Orion, en particulier des systèmes stellaires Ori 58, Bételgeuse, et la planète Étor, qui se trouve à 643 années-lumière, c'est extrêmement loin. Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, après Rigel. Les Étortants font partie de la très spécifique lignée des Gris, qui n'est pas la lignée des Reptiliens. Les Reptiliens ont leur propre lignée. Au sein de la lignée des Gris, il existe au moins 165 différentes races de grands gris, de petits gris et d'autres lignées. Ils ne sont pas tous d'origine reptilienne et ne sont pas tous régressifs. Les Étortants, malgré le fait qu'ils soient souvent présentés comme des créatures monstrueuses, sont proactifs et positifs et ne représentent pas une menace pour les terriens. Les Étortants sont des aides, des guérisseurs et des experts généticiens. Leur rôle est de transformer des planètes et de les ensemencer avec des plantes, des animaux et des espèces humanoïdes. Ce sont d'ailleurs eux, avec les Arcturiens, Diezli Antiplex, qui ont implanté les proto-humains sur Terre. Ils ne sont pas hostiles à l'homme, ils n'enlèvent pas d'humains, sauf s'ils extraient quelquefois leur propre starseed lorsqu'ils veulent entrer en contact physique ou pour les protéger.
Ils sont vraiment exceptionnels et extrêmement différents des terriens ou même des autres races extraterrestres de type humanoïde qui les trouvent très aliens par rapport à eux. Leur présence est si forte qu'ils peuvent être très effrayants et intimidants. Au sein de la Fédération galactique, ils ont quelquefois des frictions et des conflits avec les lignées très émotionnelles des humanoïdes célestes. D'un côté, les étortants évoluent comme des plantes, sans émotion et de manière logique, et de l'autre, certaines lignées d'humanoïdes célestes, avec des hyper-émotions, commencent à développer de l'incompréhension et de la méfiance envers les races les plus logiques, qu'elles soient andromédiennes ou étortanes. Les étortants sont d'ailleurs convaincus que leur logique est la meilleure, mais en même temps, ils sont très attentionnés et respectueux. Ils ont un détachement complet de représentants vivant au siège local de la Fédération galactique dans Viera, la biosphère andromédienne qui se cache derrière la Lune. Ils sont aussi en orbite autour de la Terre avec leur propre vaisseau et sont l'une des espèces extraterrestres les moins connues qui ont une très forte influence sur tout ce qui se passe sur Terre et sur les décisions prises par la Fédération galactique. Cette partie génère beaucoup de controverses, principalement entre les races que j'ai signalées d'origine lyrienne, telles que les Antariens, les Pléiadiens, car les étortants ne sont pas bien vus et ces derniers pensent qu'il est inquiétant qu'une espèce qui n'a pas d'émotion et qui travaille avec une logique pure ait une influence aussi forte sur les décisions qui affectent des êtres hautement émotifs et hautement irrationnels tels que les humains sur Terre. De plus, les étortants suivent toujours des modèles et des procédures anciens, déclarant ouvertement que c'est ainsi que tout a toujours été et qu'il n'y a pas de raison de changer et pas ou peu de flexibilité, qu'il soit positif ou non. Ils sont sérieux, stables, presque impossibles à manipuler mentalement ou à changer. Ils sont attentionnés, mais en même temps, ils sont effrayants. Et cette zène-là, qui est lui-même un extraterrestre d'une autre espèce extraterrestre, qui m'en a fait la remarque. Ils doivent l'être beaucoup pour impressionner une autre race extraterrestre. Ils construisent, créent et font évoluer. Ils ne détruisent pas. Ils prennent soin d'eux-mêmes et comme ils vivent très loin, à plus de 643 années-lumière, ils utilisent l'holographie à distance pour communiquer. Cela signifie qu'ils sont présents aux réunions des grands conseils dont ils font partie en utilisant des hologrammes si avancés que Zen me disait qu'il avait l'impression qu'il ressentait leur présence physique. Ils mesurent entre 1,80 m et 2,50 m de haut. Leur durée de vie est de plus de 1000 ans, peut-être même plus. Leur morphologie, avec une tête, un tronc, des membres, mais ils ont trois doigts et trois orteils. Certains grands gris et petits gris en ont quatre. Mais, et c'est là où c'est incroyable, malgré leur apparence, ce ne sont pas des mammifères comme nous, ce sont des plantes vivantes qui évoluent sur deux jambes. Les étortants portent des combinaisons de vol sur les vaisseaux spatiaux ou des uniformes gris. Et leurs dirigeants, dans des rôles de leadership, portent de longues robes noires à capuche. Ils n'ont pas le sentiment d'être une personne individuelle avec une personnalité. Ils évoluent en essaim et seul le groupe prévaut. Ils n'ont pas de famille. Ils ne développent aucun attachement familial ou d'amitié, mais travaillent uniquement en groupe. Ils ne croient pas aux notions de temps et ne perçoivent
que les fréquences et les mouvements. Notre système sociétal est basé sur l'argent et le pouvoir. Le leur est basé sur les statistiques. C'est une société statisticienne. Ils n'utilisent que la télépathie et aucune parole vocale ni articulée. Et ils ne parlent aucun langage verbal ni humain. Ils n'ont pas de cordes vocales en fait. Et ils communiquent uniquement par télépathie, entre eux et avec d'autres espèces. Mais il y a des choses vraiment surprenantes les concernant. D'abord, leur biologie est assez incroyable et vous allez avoir du mal à comprendre ce qui suit. Leur biologie est celle d'une plante ou d'un arbre. Elle est végétale et non celle d'un mammifère, malgré le fait qu'ils aient un corps construit comme le nôtre. Ce concept végétal terrien le plus proche de celui des étortants serait l'une des 600 plantes terriennes qui sont cannibales comme les droseras. Malgré cette apparence d'une morphologie humanoïde, leurs organes intérieurs n'ont pas les mêmes fonctions que les nôtres. Ils ne sont pas du tout comme ceux des terriens ou des humanoïdes célestes. D'après la description de Zen, tous leurs organes internes se fondent les uns dans les autres sans démarcation claire pour les séparer. En fait, c'est un unique organe intérieur. Il est donc presque impossible d'en supprimer un, car vous ne savez pas où l'autre se termine. Et en en enlevant un, vous risqueriez de tous les enlever. Tous les organes peuvent remplir toutes les fonctions. Tous, chacun d'entre eux, en plus du leur. Seules certaines parties de cet organe unique ou certaines zones sont plus expertes que les autres. Par exemple, toutes les zones peuvent jouer le rôle de foie, d'un foie, mais une zone spécifique le jouera plus et mieux que les autres. Ils n'ont pas de cœur non plus. Ceux qui jouent le rôle de cœur sont tous ces organes qui se contractent et se rétractent et font bouger le sang, on devrait dire la sève, le sang qui n'est pas rouge mais gris, vert-gris, et quelquefois c'est un sang transparent, c'est-à-dire de la sève transparente, et c'est la raison pour laquelle ils sont de couleur grise. Ils font de la photosynthèse, mais pas exactement comme le font les plantes traditionnelles terrestres, de sorte que leur chlorophylle diffère, ce qui leur donne la couleur de peau grise caractéristique. Le seul organe plus ou moins reconnaissable par des terriens, de manière isolée, seraient les poumons. Ils respirent principalement par les orifices qui sont situés de chaque côté de la tête, là où sont situées nos oreilles. Leur peau. Ils entendent aussi à travers la peau, mais leur peau n'est pas imperméable. Ils adorent l'eau, mais ils ne s'immergent jamais dans aucun liquide, sinon ils se noieraient par hyperhydratation, ce qui mettrait leur vie en danger. Ils ne peuvent donc que s'immerger pendant une courte période, essentiellement pour manger. La plupart de leurs nutriments proviennent toujours de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils ingèrent par voie cutanée sous forme de nutriments qui sont absorbés par la peau. Ils mangent par la peau et non pas par la bouche. Leurs aliments, absorbables par la peau, peuvent contenir des produits animaux traditionnels tels que des sécrétions de graisse et de glands liquéfiés, de la viande liquéfiée ou des abats, y compris d'origine humaine, dans le cas de la lignée des maîtres et non pas la lignée des étortants. Les sécrétions glandulaires de nombreux animaux traditionnels sont très nutritives pour eux. Ils n'ont pas de sexe non plus et pas de genre mâle ou femelle. Sans appareillage pour la reproduction, comment donc se reproduisent-ils? De nombreuses lignées de petits gris et de grands gris utilisent des tubes à essai pour se reproduire. Cela amène de nombreux terriens à penser
qu'ils se clonent, mais c'est incorrect. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ils utilisent des tubes à essai comme des mini-serres pour protéger et nourrir une graine, parce que c'est comme une plante, pendant qu'elle germe, puisqu'ils ont une biologie végétale. Leur manière de se reproduire est aussi assez surprenante. C'est la nature végétale des étortants qui leur permet de se reproduire par production de spores, comme chez les champignons. Chez certains étortants, mais pas tous, lorsqu'ils atteignent la maturité physiologique nécessaire, de petits renflements, des genres de boutons ou de petites poches, commencent à apparaître sur leur dos, le haut de leur dos. Ces poches se remplissent de spores. Ils récoltent leur contenu et ils mettent les spores dans une grande fiole à essai de laboratoire avec tous les éléments indispensables à leur développement en tant que plante. Lorsque la progéniture a suffisamment grandi et s'est bien développée, elle va sortir toute seule de la fiole et va commencer à évoluer, à marcher et à se nourrir par elle-même. Puis le jeune va rejoindre les adultes et évoluer parmi eux, mais comme il n'y a pas de famille, les adultes les laissent se développer par eux-mêmes sans intervenir. Ils doivent alors grandir et trouver la nourriture et les ressources pour continuer à se développer tout seuls. Un autre élément assez surprenant les concernant est leur canal olfactif et respiratoire qui se situe à la place de l'oreille chez l'humain. On peut donc dire qu'ils respirent par l'oreille. Enfin, c'est une oreille pour nous, mais pour eux, c'est juste un orifice. Et ce qui ressemble à leur nez n'en est pas un. C'est une glande spéciale dotée d'un sonar, un système d'écholocation par ultrason avec des fréquences qu'ils font varier selon leur cible, comme les baleines, les dauphins ou les chauves-souris. L'écholocation ou écholocalisation consiste à envoyer des sons, donc ils envoient des sons pour déterminer la distance de l'obstacle ou la durée écoulée entre l'émission du son et la perception de l'écho qui revient en retour vers eux et qu'ils réceptionnent. Cette technique est utilisée pour localiser et identifier les éléments d'un environnement, les obstacles, les ennemis et la nourriture. Elle est utilisée par certains animaux, notamment ceux que j'ai cités, et les étortants l'utilisent de la même manière. Donc ils envoient des fréquences et l'écho leur parvient en retour de l'objet qu'ils ont ciblé. Et c'est comme ça qu'ils perçoivent, entendent, localisent, géolocalisent les éléments qui se trouvent autour d'eux.